chroniqueur de la première, enfin sur votre journal, celui de la deuxième et celui de la Bonjour à tous. Donc vous êtes en forme. Hein, je joue sur la forme. Ah, si on m'entend, si on m'entend bien. Un cheval dont la cote est à deux chiffres, qui vous intéresse dans... Le quintet part dans 2 minutes. Il y a 1600 mètres. 1600 mètres, ça fait 16. 16 divisé par 2, ça fait 8. 8 points R1, C4. 8 points 1, ça fait 7. 8 points 4, ça fait 4. Il y a 16 partants. Est-ce qu'on prend le 4 en forme de 13 ou en forme de 15? Je ne sais pas. On est à Saint-Cloud. Il n'y a que des courses avec peu de partants à Saint-Cloud. On n'a que le quintet avec 16 partants. Et après, on a quelques courses aussi avec 16 partants aussi. R1, C4. Alors, soit une cote à 14 euros, soit le 14 ou soit le favori en gagnant. Il y a quoi les cotes à 14 euros? Il y a le 15. Le 15, il pourrait nous donner 4 hein, dans nos calculs. Hein. Le 15. Ça me fait penser aux cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Là. Le 15, le 10, le 2, non, 15, 10, 3, 15, 10, 3, 4, 15, 10, 3, 4, à 5. On va bien être emmerdé par le 6 ou le 9 alors. 6, 9, 5, 4, as, 10. Non ? On a du plat, on a mis 600 mètres, il faut faire 8. Puisqu'on parle d'outsider, je me méfierais dans le bas du tableau, du 15, Gallard. Alors, le 4, il me va bien, le 4. Hein. Stéphane Pasquier me va bien. Stéphane Pasquier, après R1, C4. R1, C4, on va se taper. Là, c'est le 4, alors ? As-4, 5 ? As-4, 5, As-4, As-4, 15, As-4, 13, As-4, 13, 15, As-4, 13, 15, 10. C'est marrant ça, As-4, 13, 15, 10. Je vais regarder si on capte bien, si on entend bien. C'était pas facile, hein, je voulais pas faire des bases parce que je me suis dit, quand on voit la réunion, le terrain, l'aspect tactique, c'est compliqué. J'ai resserré sur 7 concurrents dans le ticket. En fait, il y a les chevaux qui ont des chances et malheureusement, on les écarte un petit peu parce que c'est un numéro de corde plutôt à l'intérieur. Quand on voit comment s'est passé les trois premières courses, ça va être peut-être la bagarre pour aller chercher l'oreille en dehors. Pardon. Il n'y aura pas la place pour tout le monde, hein, donc on va voir comment ça va se passer. Il peut y avoir quelques malchances, effectivement. Même si dans ce terrain-là, les intervalles se font plus facilement, normalement. S'il y a du rythme, mais c'est un handicap, on peut très bien avoir un cheval qui va devant, qui cadenasse un petit peu la course, et là, ça va falloir qu'on joue un peu des coups. De mots d'ici. On entend bien le micro, là ? Départ imminent pour le quintet. Enfin, imminent. Ben non, il se cache là-bas au fond à droite. Je me fais encore surprendre ici. Impec. Au départ des 1600 mètres. Bon, il y a des méthodes de déchiffrage avec le 5. Avec le 5, il faudrait qu'on fasse plus une dizaine, ça fait 15. Donc, il faudrait qu'on fasse 14, 15, 16. Everio ici, numéro 8. On a croisé un turfis qui aime beaucoup Everio. Lui, c'est son coup de poker. Oui, c'est vrai. 24 contre 1. On peut peut-être prendre le 15 et le 16. Hein. On prend le 15-16. On prend le 15, le 16. On prend les plus petites cotes. Là, 5, 15-16. À 5, 15-16-6. À 5, 15-16-9. Non ? À 5, 15. À 5-15. À 3-13. À 5-15. À 6-16. À 6-16. Bon, vous comprenez que j'ai pas trop le temps pour le quintet là pour faire le prono. Ça va partir. On a le 9 maintenant en favori. On rajoute une dizaine, ça fait 19. Donc ça fait 18, 19 et 20. Il faut retrouver 18, 19 et 20. Bon, c'est déjà parti trop tard. Red Joy qui vient parmi les premiers. Bon départ également à l'extérieur pour une casaque orange, celle du numéro 2, la Loire, qui reste isolée d'ailleurs de ses adversaires à l'extérieur de la piste avec Augustin Madamé. On prend les commandes de la course avec Vive des Aigles, bien placé également. Il y a In the Mood, le numéro 13, suivi par Galore à son extérieur. Lady Pink également qui est en beau rang. On retrouve ensuite Dr. Ron au centre du peloton. Twilight également qui vient alors que la Loire maintenant se rabat petit à petit et rejoint ses adversaires.
Vive des Aigles en tête maintenant avec In The Mood en deuxième position. Galore suit à son extérieur. Lady Pink est côté corde, suivi par Red Joy dans son sillage au centre du peloton. Toujours les mêmes, Scottish Anthem qui vient un peu plus loin, tout comme Samba Vanilla, le numéro 10 maintenant qui se rapproche, alors qu'on retrouve également Uncle Bo qui est à l'arrière-garde. En dernière position, on est assez sollicité pour le moment avec le numéro 11 de T-Nouvelles pour suivre le rythme du peloton. Toujours Vive des Aigles en tête, la Loire à son extérieur, côté corde Lady Pink, le numéro 3 avec ensuite In The Mood, suivi à l'extérieur par Everio qui se rapproche, tout comme le numéro 12 Uncle Bo dans son sillage côté corde. Red Joy est sollicité, Scottish Anthem qui est toujours au centre du peloton avec Galore qui a rétrogradé, ligne droite finale. C'est toujours Vive des Aigles qui a l'avantage, mais attention à Lady Pink qui tente de revenir, attention également à Red Joy, Great Rotation qui refait du terrain au centre de la piste avec In The Mood. Scottish Anthem qui s'annonce tout comme Scottish Saint, le numéro 4, avec toujours maintenant le numéro 13 In The Mood qui a pris l'avantage devant Lady Pink. Scottish Anthem qui vient de plus en plus vite, attention également à l'extérieur de T-Nouvelles qui tente de faire mouvement tout comme le numéro 14 Red Joy, mais la lutte fait rage devant entre Scottish Anthem qui a pris l'avantage maintenant sur le numéro 13 In The Mood, Lady Pink qui tente de revenir avec également Galore et un peu plus loin de T-Nouvelles, Scottish Anthem qui file vers une nouvelle victoire, Scottish Anthem qui va s'imposer dans ce quartier, la deuxième place pour In The Mood, la troisième pour Lady Pink, la quatrième pour Galore, la cinquième peut-être pour... On va faire quelques courses, les amis. J'ai pas eu le temps pour le quintet, on va faire quelques courses. Le prix de Versailles. La victoire pour Scottish Anthem, le numéro 6, qui était votre favori, Isaac. Il double la mise. Le numéro 13, In The Mood, court bien, les deuxièmes. Nous avons le numéro 3, Lady Pink pour l'entraînement, Stéphane Vatel, qui est troisième. Galore qui court bien. Il est quatrième et la cinquième place pour le numéro 11 de T-Nouvelles. Voilà pour l'arrivée chiffrée du tiercé quartier Quintet Plus, dont sort vainqueur Thierry Scottish Anthem, qui est encore en retrait à l'entrée de la ligne droite, mais qui va faire très sûrement la différence hein, dans les 250 derniers. 6, 13, 3, 6, 13, 3, 15, 11, 4. Sa première épreuve, hein, qu'il a effectué chez Prom de Compiègne, associé à un apprentissage. Ouais, les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1, il y avait le 3, il y avait le 15, il y avait le 2, le 4. Les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1, il y avait le 10 aussi. Il y avait le 15. Il y avait des petites cotes, le 13, le 6. C'est un pléonasme que de dire ça, mais là en ce moment c'est très très criant. Après, on ne peut pas jouer toutes les petites cotes entre 10 contre 1, 19 contre 1. Il y a des quintés, ils acceptent. Il y a des quintés. L'arrivée est acceptée avec les cotes entre 10 contre 1, 19 contre 1. Mais bon, là, on sentait bien un petit peu de favori, un petit peu de mélange. Là. On va essayer de faire quelques courses, les amis, 2-3 courses ensemble. Je vais vous montrer comment je déchiffre. Quelques instants après avoir revu la caméra opposée. C'était les premiers deux ans qu'avait couru André Fabre, l'année dernière, celui-là. Mm. Il avait vraiment couru très tôt. Et on va recueillir tout de suite les impressions de Michael Barzalona tout en le félicitant. Michael, il a pris goût à la victoire, hein, Scottish Anthem. Oui, exact. On va essayer de faire ça sérieusement. On va essayer de ne pas en faire beaucoup, mais sérieusement. Et aujourd'hui, il a montré beaucoup d'affection à la piste lourde. Et voilà, il a pas qu'il y a de l'expérience. S'économiser dans un parcours et après la qualité fait la différence. L'aptitude au terrain lourd, c'est vraiment la condition sine qua non aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup d'écarts, hein, Michael. Ouais, attendez, hein, je fais les partages et j'arrive. Bah, comme lui, il n'a pas fait d'efforts et j'ai pu me faire rapprocher assez facilement. Une fois que j'ai demandé je vais pas dire d'accélérer, mais de maintenir son galop, il a réussi à le faire. Donc il faut quand même avoir des aptitudes aujourd'hui. On revient sur le critérium rapidement de Saint-Cloud. Vous avez tenté un truc avec Straco. Qu'est-ce qui a motivé justement le fait que vous dussiez à un moment donné en face, Michael? Oh bah, on est parti un peu, après on a tout repris, j'ai laissé passer la montée. Je me suis dit si ça se redécante pas, je suis beaucoup trop loin en vue de mes chances. Il faut que je me rapproche un tout petit peu pour être pas trop loin au moment de l'emballage final. On a vu que les chevaux qui avaient le rail qui a quand même été un gros atout. Mais malheureusement, quand je l'ai fait, en fait, j'avais pas assez de ressources dans les mains. Mmh. Voilà. Et Brescaille, c'est quoi? C'est du haut terrain. Il a pas fait l'arrivée du Crédit International. On va essayer de déchiffrer quelques courses, les amis, ensemble. Non, j'ai une bonne course pour lui. Je sais pas trop. Je le connais pas assez pour savoir si c'est une contre-perte ou pas. Entendu. Merci, Michael. Et bravo pour cette victoire avec Scottish Anthem dans le Quintet. À tout à l'heure pour une autre course de groupe. Là, on part.
On part où là? On part à Mons, à Mons, R5C1, non? Ouais, R5C1, à Mons. Le PMU nous propose 2300 mètres. 2300 mètres, si on divise 23 par 2, ça fait 12 et 11. Hein? Il y a 10 partants. Donc, on va retrouver 12 et 11 par des calculs. On va retrouver 10 partants. Tu vas me dire, avec 5 numéros qui forment l'arrivée, on peut calculer n'importe quoi comme résultat. Et c'est un truc qu'il faut sentir aussi. C'est... Là, on part à 15h32. Tu vois, le quintet, 15h15, il y a le 15. Voilà, 15h15, il y a le 15. Il y a 6 divisé par 3, ça fait 2. 13 et 2, 15. 15h15. Il y avait 16 partants en quintet. Il y a 13 et 3, ça fait 16. Il y a... alors, 16... Le 13, il y avait 1600 mètres au quintet, ça fait 8. On retrouvait 8 deux fois aussi. Donc, ça fait... Le 13, on peut l'avoir en 3 moins 1 et 3 plus 1. Le 15, pareil, 5 plus 1 ou 5 moins 1. Bah, tu vois, on a tous les résultats. Hein. 1600 mètres, ça fait 8. On a 3 moins 1 du 13, ça fait 2, plus 6, ça fait 8. 3 et 1, 4, 3 moins 1, 2, 6 et 2, 8. 3 et 1, 4, 5 et 1, 6. 3 moins, le 13, 3 moins 1, 2, 15, 5 moins 1, 4. 2 fois 4, 8 aussi. C'est des quintés tordus, mais c'est pour le quinté, c'est un déchiffrage encore de, autrement. Donc, là, on est à Mons, on est à Mons. Il y a 2300 mètres, donc je te parle de... Il faut égaler 13. Il faut égaler 2300 mètres, ça fait 12 et 11. Il faut égaler 12 et 11. Je veux voir l'arrivée, le calcul va former 12 et 11, va former 13. Donc on a les mêmes 5 numéros, mais ça peut former, calculer différemment. On va retrouver les résultats en fait, qu'on veut. Quoi. Les résultats qu'on veut. Donc, il y a encore ma formule pour le quintet qui a fonctionné là. 10, 2, 13, 15 ou 10, 5, 13, 15. La formule encore a marché là. R3, C7, 5, 4, 3, c'est ma formule. La forme un trio là. La forme un trio aussi, R1, C3. Hein. A6, 2, 4, ça forme un couplet placé. R3, C6, A6, 2, 4. Il y a 5, 4, 3, c'est encore qui forme 3, 2 sur 4, R2, C7. 5, 4, 3, c'est encore un trio, R1, C2. On est beaucoup sur du 5, 4, 3 aujourd'hui, là. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, As. Et sinon, il y a 8, 3, 7, 9. Sachant qu'il faut faire, pour Mons, il faut faire 12 et 11. On a 8 et 3, 11, et 9 et 3, 12. À 2300 mètres. Tu divises par 2, ça fait 12 et 11. On va regarder le 8, le 3, le 9, le 3, le 8, 12 et 11. 9 et 3, ou 8 et 3, ouais. On va regarder 8, 9, 3, R5, C1, ce que c'est comme cheval. 8, 9, 3. Ça va pas trop me parler comme ça, mais bon, on est à 15h32, sinon à 5-3-2, non? Le favori, c'est le 4. Là, c'est des chevaux de 8, 9 ans, 10 ans. Le 4 est favori, tu vois, pour l'instant, là. Et on rajoute une dizaine, on fait 13, 14 et 15. Il faut égaler 13, 14 et 15. 9 et 6, 15, ou qu'est-ce qui peut nous faire 15? 13, 14 et 15, qu'est-ce qui peut nous faire 13, 14 et 15? 8 et 6, 14, mais 6, il est cher. Ça, le 6, on se le prendrait comment? 4 et 2? 8, 4, 2? Et on a 4, 2?
augmenter les rapports. Exactement. Il y a un autre cheval dans, Ça te parle pas 4-2 là? Ça te résonne pas dans la tête 4-2 là? Genre 1-2-3-4, un truc comme ça là? 1-2-3-4-5? Genre un truc comme ça? Ça vous parle pas un truc comme ça non? Éclat de gloire, Diablo du Noyer, Dreamer de Chenu, Écureuil de Génilou, Thierryel d'Atom. Le 4 est favori, faut qu'on fasse 13, 14 et 15. C'est des vieux chevaux, on a 2300 mètres, faut aussi égaler 12 et 11. Il faut égaler 13. Ce qui va être emmerdant, c'est peut-être ce qui va s'incruster entre 1, 2, 3, 4, 5, c'est peut-être le 8 et le 9. Sur cette même piste, parcours en or, hein, ce jour-là, Loris avait su vraiment avoir le parcours caché et il était venu. Il y a une grande distance, il y a 2300 mètres. Encore un leader possible avec ce numéro 2, Diablo du Noyer. On le connaît beaucoup plus en cheval attentif. 9 et 3, 12. C'est 9 le favori là. Hussard du Landré. Le 9 en favori, il a comme ancienne performance à 6-3, 9-4-3. De façon à ce que je puisse aller devant sans devoir aller forcément trop vite. Moi, j'aime bien suivre les anciennes performances des fois. Là, on prend As 4-3. Là. À 2300 mètres, il faut qu'on égale 12 et 11. Moi, j'ai 4 fois 3, 12. Hein. Moins 1, ça fait 11. Hein. On a 9-4-3, j'aime bien. Hein. 9-4-3. Ce qui va être emmerdant, c'est peut-être le 2. 9-4-3, 2, 9-4-3, 8. 9-8-4-3, on n'a pas une arrivée comme ça depuis tout à l'heure. 8-As-3, là, R1-C3. 1-2-3-4-5, R3-C7. On n'a pas des trucs. On a beaucoup d'1-2-3-4-5 ce matin. On a beaucoup d'1-2-3-4-5. Ouais, le truc de la journée, c'est 8-9-7-3 ou 5-4-3. C'est deux combinaisons aujourd'hui. 8-9-7-3 ou 5-4-3. Tu joues une de ces combinaisons en couplet gagnant ici pour celle-là. 8-9-7-3 ou 5-4-3. En couplet gagnant, peut-être en trio même. Enfin, ça fait deux combinaisons. Hein. Si tu joues les deux combinaisons, ça va revenir cher. Ouais, c'est des belles cotes et tout, mais. Et sinon, jouer un couplet placé ici, enfin, un simple placé pour cette course-là. R5-C1, jouer un simple placé. A6-3-9-4-3. Les anciennes performances du favori, le 9, A6-3, A6-3-9-4-3. J'ai envie de le suivre. Hein. As-4-3, là, en simple placé, là. On est R5-C1. J'ai le 2 qui m'emmerde. 1-2-3-4, ça me plairait bien, 1-2-3-4. C'est quoi comme discipline, là? On a de l'attelé, hein, il y a 2300 mètres. Une course européenne, c'est de l'autostart. R5-C1. Des 5 à 10 ans. Ou sinon, faire une suite, là, faire un truc comme ça, genre 8-9, on va sauter le 10, on fait une suite 8-9-As-2, 8-9-As-2, un truc comme ça, 8-9... 8-9-As-2, ça veut dire quoi ça? Simplement invaincu dans le tournoi cette saison. Ouais. C'était que deux victoires. On rappelle que la première course a été remportée. R5-C1. Alors, le rassurant ici, c'est quoi? Écureuil Génilou gagné le 11 septembre à avant le 4. Éclat de gloire et Thierryel d'Atom, deux concurrents qu'il retrouve. Le 25 septembre à Sainte-Pardo, c'est Éclat de gloire qui s'imposait devant Dolina des Plaines qui n'est pas là et Éclat des Noix qui n'est pas là. 10 partants. Et le 9 octobre, 9 et 1, 10. Battait une nouvelle fois Éclat de gloire. 9 et 1, 10. 9 As. 9, 3, 4. 9 As. Ou 9, 6. Oh, le 6, il paraît cher, là, mais c'est de l'attelé, hein, c'est de l'attelé, hein. Il peut y avoir des gamelles. Hein. Ça, c'est ma première course, les gars, ça me met le stress. On part à quelle heure? 15h30, là? On part à 15h32. On a 3-2, on a 3-2, 3-2-4, on a 3-2-4, on met 1-2-3-4. Hein. 1-2-3-4, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire les deux favoris là, 9-4?
9-4 As, oui, c'est les favoris. 9-4 As 2, 9-4 As 3. 9-4 As 3, 9-4 As 8, quoi. 9-4 As 3, 9-4 As 8, ici. R5-C1. C'est 2300 mètres, hein, la course, ici. Il faut qu'on fasse 12 et 11. On a 8 et 4, 12. On a 8 et 4, 12. 4 fois 3, 12, moins 8 et 9. 4-3-8-9. 4-3-8-9. Sachant qu'on peut se prendre des gamelles. Hein. Peut-être le 8 à jouer, peut-être en le 8 ou le 3, alors on s'est un peu placé ici. R5-C1. Et les favoris, 4-As-9. Peut-être en couplet gagnant, 2 sur 4. C'est pas une course qui va payer, hein. C'est pas à jouer ça, c'est pas une course qui va payer. Peut-être la jouer en simple placé, celle-là. Le 8 et le 3 en simple placé. On va attendre. Il était tout simplement trinque-ballé durant le canter. Loris Garcia ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas aller moins vite avec Éclat de gloire qui ne demandait qu'à avancer. La piste est parfaite aujourd'hui. Et puis lui connaît la piste, hein. Il a gagné ici, invaincu sur cette piste. De l'Arsoyer, il s'était chauffé sur la piste en PSF réservée aux galopeurs. Jérémy Gaston Van Écoute qui connaît bien la piste de Mons, hein, pour être venu souvent avec Baron Dubourg, avec celui-ci également. Et Sardou André qui n'est pas retesté avec sa barre américaine, mais il avait fait l'échauffement avec cette barre américaine. Il ne faut pas spécialement s'en inquiéter. 2,60 pour Écurel Génou, 3,30 pour Hussard Dulandré. Des belles cotes derrière avec Cyril Datome, un bel outsider à 31 euros pour les places. Pour les combinaisons élargies, Diablo du Noyer 10 euros. Et Éclat de gloire, bien sûr, 4,30 euros. On rappelle que dans ce tournoi, une jument comme Billy de Montfort l'a remporté deux fois. Bird Parker a remporté ce tournoi en 2017. Fedo Seven et Joss Verbeek, il me semble, également. Oui. Après, on a des chevaux comme Soleil Rivelière, comme Roxane Barbray, Punchin, Imrod Borealis, Du Beau Monde, et bien sûr le temps du titre Aigle. Ah, c'est de la piste en sable. On va s'élancer, hein, dans quelques secondes maintenant. On a pris un tout petit peu de retard avec Hussard du Landré, qui a fait un... Ah, c'est recul de 25 mètres, là. Ça fait partie des chevaux classiques. Non, c'est l'autostart, hein, c'est de l'autostart. Il y en a de plus en plus, la piste est bonne, les entraîneurs le savent. Font pas mal à leurs chevaux. On n'est pas loin de la frontière, on n'est pas loin de l'autoroute, ouais. Également. Tout est accessible, c'est facile. On sent les chevaux qui montent en pression à quelques instants du départ après s'être légèrement décontracté quelques secondes en marchant gentiment. Cyril Datome ne sera pas vu aux avant-postes, même s'il a pris beaucoup plus de vitesse ces derniers temps au départ. Mais il va finir. Attention à ce Cyril Datome. Il n'a pas forcément brillé, hein, dans ce tournoi, mais ici il est chez lui. Et ici il a gagné de très nombreuses courses. Voilà l'autostart qui appelle les concurrents. C'est un mini multiste, une très belle course. Sébastien, allez, je vous demande 4 chevaux. Comme ça, elle brûle pour point. Le 4, Écureuil Génou, là c'est Éclat de gloire, le 9, Hussard Dulandré, et ensuite le 5, Cyril Datome, parce que c'est le local de l'épreuve, et il se plaît tellement sur cette piste de Mons. Eh ben moi je vais mettre 6 Renoir. Un peu le même profil, hein, l'un et l'autre. Ouais. Pas facile à dissocier, hein. Un gros différentiel de cote, hein, 18 pour Cicero Noa, 34 pour Cyril Datome. Pourtant, lors de leur dernière confrontation, il n'y a pas eu match. Hein. Et attention à Dreamer de Chenny. Cicero Noa. Des 4 aujourd'hui, je le mets également, moi, dans le mini-multi. C'est le regret, c'est le regret. Ouais. Non, je mets le 3 et le 8 dans le mini-multi. Allez. Éclat de gloire, l'un des... L'arrivée du quintet, 6, 13, 3, 15, 11. On se fâche un petit peu sur la main. Tout comme Cicero Noa à l'instant. Ouais, mais c'est parce que l'autostart n'a pas pris... Oh, c'est sympa d'essayer de tout déchiffrer, mais il y a des courses qui ne payent pas, les gars. Faut bien le savoir. Ça va être une très belle course. Ça risque d'être tactique également. Le départ va être primordial. Qui va prendre tout de suite Xavier, le bon dos. Benoît Robin qui se décale. Hein, le règlement le permet en Belgique. Il va partir derrière Diablo du Noyer. Et Loris Garcia, c'est un peu inquiétant quand même de voir avec la gloire aussi. Il faut adapter aussi ton type de pari. Aux difficultés, hein. Tu peux pas jouer tout le temps un couplet gagnant, couplet placé toute la journée. Hein. Il y a des journées, il faut adapter un 2 sur 4. Il y a d'autres journées, enfin, il y a d'autres courses, il faut adapter un couplet placé gagnant. Il y a d'autres courses, il faut adapter un simple placé gagnant. Il faut jongler aussi avec les formules de Paris qui est possible à faire.
prend la deuxième épaisseur, suivi par Éclat de Gloire qui a pu se décaler, lui-même suivi par Dollar Soyer. Effort numéro 4 qui se rapproche, Curé Génulot en dehors. On va reprendre hein, sans doute avec Cyril Latom, quoique Cyril Latom qui compte 2-3 celui qui l'avance. On ne le voit pas, il est caché par la voiture pour l'instant. En deuxième position, il y a le numéro 3, Dreamer de Chelu. Un sérieux de course que l'on n'attendait pas forcément en ce début d'épreuve. Le 4 qui se rapproche en dehors. Il y a 2300 mètres, hein. On est à Mons. Les journées comme Mons, tout ça là, Mons, Saint-Cloud, tout ça, c'est des journées à 5-4-3. On voit beaucoup de 5-4-3 en. Un peu placé, voire gagnant. On est sur une journée comme ça, ça va durer toute la journée. 5-4-3. Un peu placé, gagnant. Par contre, entre 5-4-3, il faut enlever les plus grosses cotes. Hein, tu ne peux pas jouer 3 numéros, c'est un peu placé. Ça revient trop cher. Si tu as des gains, ça sera vraiment les petits gains. Ça, vaut mieux limiter le nombre de propositions. Mais c'est la journée à avoir 5-4-3 sur les courses. Il ne faut pas non plus faire des courses avec trop de partants. Pas plus de 13, 14 partants, 15 partants. Ouais. Le 5 il file là. Il y a 2300 mètres, je sais pas s'il emmène les autres, mais il est tranquille devant en train de turbiner là. Je sais pas s'il emmène les autres dans le vent, mais il va les aider. Oui, il y aurait bien un 2, 3, 4, 5 quand même. C'est le 9 qui va être perturbant, le 9 ou le 8. Il y a un 2, 3, 4. Ah, il y en a un qui fait la faute. Le 4 favori fait la faute. Écureuil Génoux qui ne fera pas partie de l'arrivée avec l'As qui vient vite. Maintenant, Éclat de Gloire à l'extérieur. Et Hussard du Landré qui le suit dans son effort. L'ultimier droite avec toujours le numéro 5, Cyril Datom qui a l'avantage. Mais attention, on finit de plus en plus. Il ne va pas gêner les autres, non ? Cyril Datom qui va peut-être le faire de bout en bout dans cette épreuve. Cyril Datom avec Éclat de Gloire qui vient de plus en plus vite. Éclat de Gloire, Cyril Datom qui va être dominé par l'As. Éclat de Gloire une nouvelle fois qui va s'imposer. Il y a bien 9-3, 9 et 3-12. Hein. Il y avait 2300 mètres. Il fallait qu'on fasse. 12 et 11 à 2300 mètres divisé par 2, ça fait 12 et 11. En gros, ça fait pas 11,5. Hein. Non, c'est combien ? C'est ouais, 11,5. Sinon, mais non, on fait 12 et 11. Tu vois, 9 et 3, 12 et 9 et 2, 11. Voilà. 9, 3, 2, As. Je parlais du 8, tout ça, mais non, c'est pas venu. Le 4 n'est pas venu non plus. Ah, bah, tu vois, le 3, il était une cote entre 10 contre 1, 19 contre 1. Le 3 et le 8 qui étaient intéressants à jouer en simple placé. Sinon, c'était les favoris, je voulais, moi. Le 3 et le 8 en simple placé. R5, C1. C'était quoi les cotations du 3, là ? À 18 euros. Et le 8, il n'est pas arrivé. Le 8, il était à 18 euros aussi. Bon. R5, C1, on est bon. On a joué, 9 des favoris, 9 as 4. En couplet gagnant, voire couplet placé. Et le 3 ou le 8 en simple placé. Voilà. Il y avait deux tickets à faire. R5, C1. Qui réussit à s'imposer dans ce groupe 2. On vous retrouvera, hein, Mons, tout à l'heure pour la fin de journée d'ailleurs. Avec, là, on part R1, C5. Trois dernières courses du programme à suivre ici en direct sur Equidia. Allez, je vous salue tout le monde. On arrive ici sur le plateau avec un nouvel expert. Jordan. On part R1, C5 à Saint-Cloud. C'est la journée du 5-4-3, les gars, mais est-ce qu'il va venir ? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul numéro qui va venir ou deux ? On ne sait pas. Il vaut mieux jouer 5-4-3 quand c'est la journée en simple placé, voire gagnant. Mais il ne faut pas mettre 5-4-3 les trois chiffres. Enfin, bien sûr, ils peuvent venir, mais... Allez, on va essayer de trouver un truc rassurant, là. R1, C5. R1, C5. Il y a 2800 mètres. 2800 mètres, ça fait 28 divisé par 2, ça fait 14. Il faut obtenir 14. Comment on va obtenir 14 par des calculs ? Il faut aussi obtenir 15 heures. Tu vois, je te parlais de R5, C1, la course qui vient de courir. Ça partait à quelle heure, R5, C1 ? Ça partait à 15 heures, je ne sais plus combien, là. Attends, on va attendre que ça se développe. Les résultats se développent.
Alors, R1-C5, ça part à 15h50, R1-C5. R1-C5, 15h50, là, c'est le 5, c'est sympa. Est-ce qu'on peut les mettre gagnants, là, c'est le 5? Bonjour, messieurs. Ou est-ce qu'on va essayer de trouver une formule avec là, c'est le 5? Sachant qu'on a 2800 mètres, il faut faire 14. 14 divisé, enfin 14. 14 fois 2, ça fait 28. On va essayer d'éplucher tout ça. On est à Saint-Cloud, hein. 2800 mètres, 15h50. Là, c'est le 5, c'est rassurant. Hein. Moi, pour moi, j'ai un sentiment de... En plus, c'est R1, c'est 5. On part à 15h50, ça fait beaucoup de 5 et l'As. Moi, ça me rassure, mais bon. On a 2800 mètres, il faut faire 14 aussi, divisé par 2. J'ai montré hein, les courses de 10 partants, hein, ce qui aimait bien les courses de 10 partants. C'est le 10, le 5, le 2 et l'As. Hein. 10, 5, 2, As. Hein. Bon, là, le 7, il passe favori, mais le 5 va revenir favori avant le départ, je pense. Mais les courses à 10 partants, en ça peut passer, il y a 10, 5, As. 10, 5, 2, As. 10, 5, 2, enfin, il y a 10, 5, 2, les rassurants à 10 partants, sinon, il y a des combinaisons. Il y a 6, 5, 4 As, il y a 10, 6, 5, 4 As. Avec le 7, on est plus sur du 8, 3, 7, 9 ou du 8, 7 ou du 7, 7, 9, 8, 7, 9 aussi. On est possible à 8, 7, 9 en couplet placé ou alors 10, 5, 4 As, 6 en trio. Ou alors 8, 8, 7 qui va nous emmerder. 8, 7 en couplet placé. Alors on va essayer d'éplucher tout ça. On va attendre un petit peu que ça se déroule parce que le favori, là, il est instable. On ne sait pas, il y a le 5, il y a le 8. On va attendre que le favori se stabilise. Et sachant qu'à 2800 mètres, il faut faire 14 deux fois. Il y a 10 et 4, ça fait 14. 10-4, ça fait 14. Après le 10, tu peux te le retrouver en... Tu peux faire sinon 7 fois 2, mais... ça va être quoi la surprise ici là. 2800 mètres, ça fait une longue distance pour du plat. On a 5 favoris, le 7, là ça va être le 8 ou je sais pas quoi, ou peut-être le 10 à la fin. J'aimerais bien que ça se stabilise pour faire mes calculs. À 15h50, R1 C5, il y a 2800 mètres, ça fait 14 deux fois. Moi, mes rassurants, c'est 5 As 4. Là, on peut peut-être compter sur les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1 encore. Le 4 ou l'As, on s'est un peu placé. Après, mettre une formule avec 10 4 As 5, 10 4 As, qu'est-ce qu'on va faire là? Là, le 8 passe favori, là, putain. Ah, tu vois, R5 C1, la course qui vient de secourir, R5 C1. 15h32, ça partait. As 5, 3, 2. Qu'est-ce qu'on a dans le résultat? As 9, 3, 5, 2. Le quintet à 15h15, il y a le 15. Il y a 6 divisé par 3 égale 2, plus 13, ça fait 15. Ouais, c'est des calculs comme ça, mais tu vas me dire, il arrive 5 numéros dans les courses, je me répète, mais il arrive 5 numéros dans les courses, donc tu peux obtenir avec 5 numéros. Que tu veux comme calcul en gros quoi. Donc là à Saint-Cloud R1 C5 pour qu'on fasse 14, ça part à 15h50. Il y a là c'est le 5 qui me rassure, mais à 5-4 qui me rassure, mais ça me fait chier de prendre le 8 en favori là. Le 5 revient favori, le 7 était passé favori, le 8 est passé favori, le 5 repasse favori. Et c'est chiant ces journées là à calculer. Là, j'aimerais bien, je vais regarder l'âge des chevaux, tout ça. Je vais regarder les anciennes performances du favori. R1 C5. Alors, R1 C5, là, j'ai qui, là? J'ai le 8 en favori. Là, c'est 3. Les anciennes places du 8, c'est A, c'est 3. En plus, une course qui, ces dernières années, réussit pas mal aux concurrentes étrangères. Le 3, il est à 32 euros, mon Dieu.
pour une course de 2800 mètres. Avec Gualana, mais sur ses dernières sorties, l'impression visuelle y était. Elle est sur la montante, effectivement, cette pouliche. AC3, ça veut dire quoi? Ça 8 As, non 8 As 8 As ou 8-7 8-7 As. C'est qu'elle battait une pensionnaire de Team Danoir, hein, qui avait gagné auparavant sur l'hippodrome de Vichy et qui avait couru, on va dire. 8-7 As 9 Elle avait pris une 5ème place. Là, on n'aurait peut-être pas 6-5-4 As, là. La joie du soir, le 5, c'est des 4 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de ça, là? Le 8 en favori, il faut qu'on fasse 18, 17 et 19. Comment vous voyez-vous la candidature, Thierry, de joie de soir? Alors, ma joie de soir, comme l'a dit. Il y a deux façons de voir la chose. Quand on se dit, voilà, dans le cadran, elle a pris dur. Si on a 8, 9, 10, si on a 8, 9, 10, on fait 18, 17 et 19, hein, 8, 9, 10. Hein. La présente aujourd'hui, c'est qu'il y a on fait 8, 9, 10. Et on confirme avec 8, 9, 10, 8, 9, 10, As, 8, 9, 10, 5. 8, 9, 10, 8, 9, 10, 6. Non, pas le 6. Pas avec 8, 9, 10. 8, 9, 10, As, 8, 9, 10, 4, 8, 9, 10, 5. J'ai chier celui-là. Il ne plaît pas le 8 en favori pour faire les trucs mieux. Moi, je serais plutôt avec un gagnant ici, entre le 10, l'As, ou le 5, ou le 4, en gagnant ici. Ou le 6, même. C'était une course tellement bizarre. Ils ont pu sentir qu'il n'y avait plus rien à jouer. On a le 2 qui est arrivé à 5, c'est 1. Le 2 qui est arrivé. Alors, comment on fait le 2, là? On a le 2, on a le 5. Donc, on va prendre le 5. Jouer du soir, on prend le 5. Je pense que là, vous êtes dans le vrai. Ça va dépendre vraiment de la physionomie de course. Si c'est une course un peu à la mort, encore une fois. Et bêtement, on aurait peut-être l'arrivée de Mons R5C1. Là. R5C1, As9, 3, 5, 2. On va se le répéter, là. On va pas prendre le 3, on va prendre le 8. Le 2, on va prendre le 7. 8-7-5-9 As. 8-7-5-9 A, c'est pas mal, non? Faut pas qu'elle soit écœurée, quoi. Ça serait marrant. Alors, c'est pour une formule 8-7-9-5 en formule. 8-7-9-5, 8-7-9-10, 8-7-9-5. Ouais, on a peut-être 8-7-9 ici, en 8-7-9 en couplet placé. 8-7-9, couplet placé. C'était différent dans le Kerguelen, c'était pas allé très très vite par rapport au cadran. Où là, pour le coup, on part à 15h50. C'est incroyable, franchement, ce cadran. Je vais me rappeler longtemps de cette course. J'ai adoré. Ah, le 5 qui repasse favori, là. Putain, les anciennes performances du 5, c'est 2 As, 3... Ouais, avec les anciennes performances du 5, le 5 repasse favori, là. Les anciennes performances du 5, on a 2 As, 2 As, 3, 4. Bon, bah là, on se ferait 5-4 As. 8-5-4 As. On va prendre les deux favoris, là, qui tournent depuis tout à l'heure, le 8, le 5, le 7. On prend 8-7-5. On fait 8-7-5. À ce moment-là, si on prend les plus petites cotes, on peut prendre le 3, hein, 8-7-5-3, mais... 8-7-5-3, mais... Oui, vous mettiez en exergue... 8-7-5-3, 8-7-5-2, 8-7-5-3, 8-7-5... Dans le quintet, vous mettiez en exergue la grande réussite dans le réfab ces derniers temps. 8-7-5, 8-7-5-9, 8-7-5-6, 8-7-5-6, 8-7-5-6, 8-7-5-6. C'est pas mal, ça, 8-7-5-6. 8-7-5-6. Il y a 2800 mètres, il faut faire 14 deux fois. Et il y a une pouliche, messieurs, que j'aime beaucoup, dont on n'a pas encore parlé. C'est le 7, Natsushka, qui est joué, tiens d'ailleurs, très très joué.
Elle est à 5 euros. Elle m'avait bien plu cet été à Paris-Longchamp dans une Mistod, hein, le prix de 7,5 4 as. Ensuite, elle était battue de pas grand chose par Raclette, toujours à Paris-Longchamp au niveau supérieur. Dans le prix. Moi, ça me parle mieux, 7,5 4 as. Mais... une vraie bonne chance, et j'étais pas le seul parce qu'elle était à 2 contre 1 dans le prix Minerve cet été. 7,5 4 as. Trop bien passé. 7e sur 9. Mais ça revenait pas trop ce jour-là. Et quand on regarde la course de plus près, c'était pas si mal finalement. 7,5 4 6. 7-5-4-6, ça me parle bien. 7-5-4-6. On prend les favoris là. 7-5-8 là. Mais je n'ai pas envie de prendre le 8. Franchement, 7-5-4-6. On va prendre faire une suite là. Il y a 2800 mètres. C'est quoi le type de piste? Les cordes à gauche, c'est une piste en herbe. Ouais, piste en herbe. On va préférer faire des suites. Genre 4-5-6-7-8 là. 4-5-6-7-8-9. Mais. Faut pas mettre tout ça, faut pas mettre tout ça. 4, 5, 6, 7, 8 en 2 sur 4, couplet placé. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ça fait beaucoup, ça. 4, 5, 6, 8. 4, 5, 6, 8. Ça fait chier de mettre 4, 5, 6, 8. Le 8 avec 4, 5, 6, ça me fait chier. Ça me fait chier de mettre le 8 avec 4, 5, 6. Moi, j'ai As 4, 5, 6. J'ai As 4, 5, 6. C'est une formule que j'aime bien, mais. Certaines des favorites restent sur un échec. Flatsar est la favorite. Elle a été arrêtée la dernière fois. Et la Toshka, même. 8, 7, 4, 5. Elle a fini avant-dernière. Moi, c'est les favoris. 8, 7, 5. Hein, couplet placé. 8, 7, 5. Peut-être couplet gagnant. 8, 7, 5. Couplet placé, je préfère, mais 8, 7, 5. Après, peut-être le 6 qui viendrait se placer, là, 14 euros, ou le 4, ou l'As. Le 6, 4 As en simple placé, 6, 4 As, ou alors une formule 8, 7, 5 en, 8, 7, 5 en couplet placé, 2 sur 4. Ah, c'est une longue distance hein, pour du plat. Hein. C'est une piste en herbe. Les pistes en herbe, on préfère faire des suites de numéros, tu vois, mais... Genre 5, 6, 7, 8 ou 7, 8, 9, 10, mais putain, ça fait chier le... ça me fait chier de monter aussi haut. J'ai les trois favoris là, 5, 7, 8 depuis tout à l'heure qui se donnent la place du favori là. Ils me plaisent bien 7, 8, 5 là. Mais sinon, c'est une autre formule, une autre arrivée possible. Comme c'est une piste en herbe, il faut faire 28, 2800 mètres, ça fait 14 deux fois. On a 10 et 4, 14, hein, 10 et 4, 14, bêtement, j'ai envie d'être là-dessus. Hein. Ou 10, 5 as, hein, 10, 5 as. 8, 10, 5 as. 8, 7, 8 et 7, 15, 5 moins 1, 4. 8 et 7, 15, 8, 7 as, 8, 7 as. 8, 7 as. 8, 7 as 6, 8, 7 as 5, 8, 7 as 10. Ouais, c'est peut-être celui-là, 8, 7 as 5, 8, 7 as 10. 8, 7, as 6, 8, 7, as 4. J'ai encore 30 secondes ou pas je... Ah, bah attends. Je prends 2800 mètres. Hein. Bah alors, Isaac, à une minute du départ, faire 14 deux fois. De la Toshka. Allez, je la reprends sur ce qu'elle a fait dans le Tiberville et dans le prix de Malraux. Et puis Isaac me dit que voilà, on ne revenait pas derrière. Là, il va falloir de la chance pour marquer quelque chose. Hein. Putain. Les favoris sont instables, on ne sait pas sur lesquels sont comptés. Il y a 5 proposés par Equidia, depuis tout à l'heure qui ne bouge pas. J'ai le 8 et 7, le 5 qui varie sur PMU. 8 et 7, 15, pour faire 2800 mètres, ça fait 14 deux fois. 8 et 7, 15, moins 1, ça fait 14. Alors comment on fait moins 1? On fait 8, 7, 5, 4. 8, 7, 19. 8, 7, 6, 5. Au-delà, on le répète encore aujourd'hui, dans cette course-là, je pense que ça peut être un pari amusant dans cette course-là. Donc, On a une valeur du favori de chez Equidia, là, de la valeur du favori du 5. C'est parti un des polices ayant à 4 euros, hein, 4,1. Ouais, effectivement, je prendrais bien le 5, mais. Joie du sort. Joie du
de soir, je la rachète. Voilà. C'est National Dance. 9-5-4-8. Ah ouais, c'est peut-être celui-là. 9-5-4-7, 9-5-4-8. 9-5-4-7, 9-5-4-8. 9-5-4-7, 9-5-4-8. Ouais, le 4 est là, sans simple placé. Et 9-5-8, 9-5-7 en couplet placé. Couplet gagnant. Non, couplet placé. Couplet placé. 9-5-7-8 en couplet placé. Et là, c'est le 4 en simple placé. Attention à ne pas utiliser les chiffres trop contre moi quand même. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Le couplet gagnant tout à l'heure, R5-C1, là, couplet gagnant, il ne savait rien. As-9, il valait rien, ils n'avaient pas de cote. Hein. Couplet gagnant à 8,30€ et le simple passé, le 3, à 3,80€. J'en proposais deux, donc il y avait un petit bénéf. Le couplet gagnant proposé en 3 chevaux, il ramène 8€, non, combien il ramène? Ça fait pas large, hein, ça fait pas large. C'est bon à essayer de déchiffrer, mais c'est pas terrible. Hein. On va pas prendre des risques pour jouer ça. Elles sont parties pour ce prix Belle de Nuit, 2800 mètres à parcourir en groupe 3 pour des femelles âgées de 3 et 4 ans au départ de cette épreuve. Golana est bien parti, Kazakh Jaune au centre, bon départ également. Pour le numéro 7, Lastochka qui vient s'installer aux avant-postes. Glenartney également à l'extérieur qui se retrouve en bon rang, tout comme dans son siège le numéro 3, Norm Fliegerin. On retrouve également côté corde Divine Jewel, suivi en retrait par Solania ou encore par le numéro 9, National Dance. C'est Shine For You, le numéro 4, qui ferme la marche au moment de passer le poteau d'arrivée à un tour du but. C'est toujours le numéro 7, Lastochka, qui est en tête au moment d'aborder le premier tournant de cette course. À son extérieur, Glenartney, le numéro 1. Côté corde, toujours Joie de Soir, suivi par Golana. Bon, j'en fais encore une ou deux, mais il n'y a personne. Il n'y a personne aujourd'hui qui regarde. J'en fais encore une ou deux pour faire une vidéo, mais... Il y a Solania, il y a également la présence du numéro 4, Shine For You, qui ferme la marche aux côtés notamment du numéro 9, National Dance. Toujours Lastochka en tête. À son extérieur, le numéro 1, Glenartney, Kazakh Bleu Ciel, côté corde toujours, Joie de Soir, avec à son extérieur, là aussi, le numéro 8, Gualana, suivi à part le numéro 3, Norm Fliegerin, toujours piégé en troisième épaisseur, le nez au vent, avec en deuxième partie de ce peloton, Divine Jewel, côté corde, au centre, Divadonna, à son extérieur, le numéro 6, Solania, National Dance, qui vient en antépénultième position, en dernière position, il y a le numéro 4, Shine For You. Les positions restent inchangées, Lastochka toujours, aux avant-postes avec Théo Bachelot à son extérieur, Glenartney suivi à son extérieur également par le numéro 3, Norm Fliegerin. Galana est toujours côté corde, le numéro 8, Joie de Soir à son intérieur, la favorite, le numéro 5 avec Augustin. C'est pénible hein, la course en herbe, hein. La course sur l'herbe, c'est pénible. T'as vu, ils ont une petite montée là, hein, à Saint-Cloud. La piste, elle n'est pas plate. Hein. C'est toujours Lastochka qui a les commandes de cette épreuve. Glenartney à son extérieur. Joie de Soir qui est désormais troisième côté corps. Il reste encore 1200 mètres, 1000 mètres, 1100 mètres. Christiane Desmureaux à son extérieur. Autre candidature allemande, c'est celle du numéro 3, Norm Fliegerin. Solania dans son siège avec au centre du peloton Divadonna côté corde. Si on prend les plus petites cotes, on peut prendre le 3. Il y avait une belle cote le 3, mais... Le numéro 9, National Dance, en dernière position, le numéro 4, Top Violette. Ah, s'il va tenir quand même. Commencer, moins d'un kilomètre à parcourir encore. Lastochka qui a toujours le meilleur. Glenartney à son extérieur. On part de loin dans cette épreuve avec également Norm Fliegerin en troisième épaisseur. Golana qui est toujours là. Attention également à Joie de Soir. Le numéro 5 qui est toujours en embuscade. Suivi ensuite dans son siège par Divine. Le 6 derrière, il a l'air de vouloir en découdre. L'autre, c'est pareil. Le 10 là, il est enfermé dans la corde. Il lui tire dessus, il retient. Avec le numéro 1 Glenartney à son intérieur, Joie de Soir maintenant qui est lancé avec Shine For You également qui refait un peu de terrain, Divadonna également qui s'annonce toujours en tête, Lastochka qui a le meilleur avec Glenartney à son extérieur, avec Solania également qui est lancé, tout comme le numéro 2 Divadonna maintenant qui vient de plus en plus vite, Solania qui jaillit toujours, Lastochka, Solania qui tente de revenir, Lastochka, je sais même plus ce que je disais les gars, qui refait un peu de terrain, Lastochka qui résiste pour le non je l'avais pas hein, j'avais pas le 2 hein. C'est Lastochka qui va s'imposer dans cette épreuve et renouer avec il y avait 6 en simple placé ou l'as, non? Le 4, le 6 ou là, sans ça peut passer, j'avais quoi là?
6 et As pour l'arrivée chiffrée de la cinquième, le prix Belle de Nuit avec la Sochkin qui s'impose de bout en bout. Belle fin de course du numéro 2, Diva. 2-6 As. Dans les derniers mètres de la deuxième place, ça dépend du 6 Solania. Le 2, c'est une belle cote. Hein. Numéro 1, Glenn Hartnett. Voilà pour l'arrivée de cette cinquième. 71 euros le 2, la vache. Ah, c'était les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1. Putain, c'est dommage, quatrième, l'As, là. Cotation entre 10 contre 1, 19 contre 1. Là. Il y avait le 4, le 6, l'As. Les favoris qui me plaisaient bien, 5, 8, 9, 5, 8, 9, 7. 5, 8, 9, 7, 6. Je sais plus ce que j'ai dit, il faudra que je regarde la vidéo, je sais même plus ce que j'ai raconté. J'ai pas parlé du 2, en tout cas. R5-C1, le cinquième, R5-C1, c'était le 2. Putain, faut retrouver 2, mais comment je vais faire 2 avec une cote à 88, je ne vais pas le prendre. R5-C1, le cinquième d'R5-C1, c'est le 2. Le quatrième, c'est le 5. Donc on a le 2, on a 6-1, ça fait 5. On a le 3 derrière. 10 divisé par 2, ça fait 3. On se retrouve les... Et par contre, il faut trouver le calcul, quoi. Il faut trouver les bons numéros pour faire le calcul. Mais tu dois récupérer l'arrivée qui vient de se faire. Tu dois récupérer 13, tu dois récupérer l'heure. Il faut prendre les bons numéros. Là, je te parlais de 7-5. Je te parlais de quoi, les favoris 7-5, les favoris 7-5-8, 7-5-9, 7-5-8, 7-5-8-6, 7-5-9-As. Je ne sais plus ce que je te parlais. Je sais que les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1, ils étaient que 3, donc je t'ai parlé en un peu passé, mais là on se retrouve même 4ème, c'est dommage. Avec l'As. Le 2, il vient tout foirer là. T'as vu les anciennes performances du 5 favori là? R1, C5. Les anciennes performances du 5. 2 As, 2 As, 3, 4. Qu'est-ce qui arrive dans l'arrivée? 2 As. Le 3, 4, ils sont pas là, mais il y a 2 As. Aujourd'hui, je suis content parce que... Ouais, c'est mes petites... c'est mes petites manies, les gars. C'est mes petites manies. Là, on part en gain. R4-C1. R4-C1 en gain. Il y a 2150 mètres, ça fait 10 et 11. Il faut qu'on récupère 10 et 11. Il faut qu'on récupère 16h13. As-6, As-6, As-3. Merci et bravo Théo. Bravo Théo. A tout à l'heure Jérôme pour... À Anguin, 2150 mètres, donc il faut qu'on fasse 10 et 11. Il y a 12 partants, il faut qu'on récupère 12 aussi, 3 fois dans ce qu'on va avoir dans l'arrivée. Il faut qu'on récupère 13, sachant que l'arrivée de la course d'avant, là, R1, C5, c'est 7, 2, As, 6, 7, 2, 6, As, 7, 2, 6, As. Ouais, 14 de fois, il fallait récupérer 2800 mètres, 14 de fois, il y a 7 fois 2, 14. Il y a... Si c'est un 7, 7 fois 2, 14 encore. Jean-Philippe Chervaux au commentaire, bonjour à tous les deux, messieurs. T'avais dit les courses à 10 partants, R5, C1, les courses à 10 partants, les numéros qui aiment bien se plaire, c'est 10, 5, 2 As. De parler du 2, je t'ai dit non, il va être trop fort. 10-5 de As, qui était plaisant pour ce 10 partants. Les courses à 10 partants, hein. Seulement 10 partants, 10-5-2. Il y a des formules, 10-5 de As, ou 6-5-4 As, ou... Avec la formule avec le 7-8-7-9-3, ça arrive aussi, mais... R4-C1, il y a 2150 mètres, 12 partants, R4-C1, à Anguin. On a le favori, on a le 4. Le 4 en favori, il faut qu'on fasse 13, 14 et 15. Elle en a un petit peu marre de la cendrée. La dernière fois qu'elle a couru ici, elle a été étincelante. Donc clairement, il m'a dit qu'elle va terminer normalement première ou deuxième. Bah, je te parle de 3, 4, 5 en s'un peu placé. Tu vois, bon, il n'est pas venu. Hein. C'est pas une fatalité, mais R1, C5, il n'est pas venu. 3, 4, 5 en s'un peu placé. Et là, on va peut-être y avoir droit encore. R4, C1.
Aujourd'hui, la thématique de la journée, c'est 3, 4, 5 en simple placé. Faut pas les jouer quand les cordes sont trop fortes. Si t'es à l'aise financièrement, tu peux jouer 3, 4 et 5 en simple placé. Ou alors, t'enlèves une trop grosse cote, t'en joues que 2. Si t'es à l'aise financièrement. Puis que t'as envie de tenter une formule. Alors là, tu vas choisir une de mes formules dans mes pages. Là, j'ai 5 combinaisons. J'ai As 6, 2, 4. J'ai 5, 4, 3, j'ai 8, 3, 7, 9. J'ai 10, 5, 13, 15 et 10, 2, 13, 15. J'ai 5 formules. Voilà. Aujourd'hui, la thématique, c'est 5, 4, 3 en simple placé. Essaye d'adopter une formule comme 5, 4, 3 en couplet placé, voire 2 sur 4. Aujourd'hui, si tu passes dans les courses, si tu es à l'aise financièrement. Sinon, l'autre, aujourd'hui, on a en priorité 5, 4, 3, la formule, aujourd'hui. Voilà. L'autre formule qui vient pour la journée, c'est 8, 3, 7, 9. On a A6, 2, 4 qui vient saler un petit peu les arrivées. A6, 2, 4, cette formule, elle vient picorer un petit peu la journée. A6, 2, 4. Et sinon, pour les courses à beaucoup de partants, voire de 10 entre 16 partants, on a 10, 5, 13, 15, et 10, 2, 13, 15. Voilà. Mais aujourd'hui, en priorité, c'est 5, 4, 3 As. En simple placé, c'est 5, 4, 3. Il y a la formule 8, 3, 7, 9 qui vient par-dessus 5, 4, 3 As. On l'aperçoit de temps en temps. Il y a vraiment A6, 2, 4. Il vient A6, 2, 4, la formule. Aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, A6, 2, 4, la formule. Il vient un petit peu saler la journée. Et vraiment, moins encore que 8, 3, 7, 9. Alors, est-ce que ça va changer après le quintet? Est-ce que ça va être A6, 2, 4 qu'on va voir? Avant le quintet, A6, 2, 4, cette combinaison, on ne l'apercevait pas trop. On était plus sur 5, 4, 3, 8, 3, 7, 9. Là, on a une deuxième partie de la journée après le quintet. On va se retrouver avec peut-être A6, 2, 4, ou alors on continue sur la lancée du matin. Mais normalement, après le quintet, ça change un peu. Donc, est-ce qu'on peut avoir la formule A6, 2, 4 ou la formule 5, 4, 3 aujourd'hui, comme on est avec du 5, 4, 3 un peu placé? Les courses à nombre partant, on peut avoir 5, 4, 3 A6, 2, 4 aussi. Ou alors, on va garder A6, 2, 4, 8, 3, 7, 9. Il va saler la journée 8, 3, 7, 9, la fin de journée. 8, 3, 7, 9. On a 6, 2, 4 qui va finir la journée. On a 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, on a des trucs comme ça. On a 3, 4, 5 quand ça peut passer aujourd'hui. Moi, je te parle de ça bêtement parce que je sais que les gars, vous êtes riches, vous jouez tant que vous voulez. Non, mais il faut un peu du jote, les gars. Je blague. Il faut un peu du jote, les gars. Pour ça, il faut partir dans des calculs. Quand tu vois une course comme ça, tu te mets sur la chaîne des courses, tu pars dans des calculs. Retrouver la distance divisée par 2. Moi, tu prends pas les deux derniers chiffres. Hein. Tu prends la distance, c'est 4 chiffres. Tu prends les deux premiers chiffres. Hein. Il y a 2850 mètres, tu prends 28. Hein. Tu fais diviser par 2, ça fait 14. Il faut que tu retrouves la distance divisée par 2. Il faut que tu retrouves 13. Voilà. Et sachant que les dizaines, du 10 jusqu'au 16, ben du 11, hein. Le 11, ça peut faire 1 divisé par 1, ça fait 1, ou 1 plus 1, ça fait 2, ou alors 11. Merci pour ces infos, Kevin. Les dizaines peuvent égaler 3 valeurs. Le 14, par exemple, peut faire 4 moins 1, 3, 4 et 1, 5, ou alors 4, le 14, pour faire les calculs. Mais je te dis, tu as 5 numéros qui composent l'arrivée, donc forcément, tu vas te retrouver avec les sommes que tu veux. Mais c'est là que mes combinaisons rentrent en jeu. Et aujourd'hui, attention aussi, les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1, aujourd'hui. Le 3, 4, 5, quand ça peut passer, les numéros entre 10 contre 1, 19 contre 1, pour ce qui reste comme course, aujourd'hui.
Peut-être en fin de journée, on va retrouver des simples gagnants entre 10 contre 1, 19 contre 1. Attention, aujourd'hui, en fin de journée, à la combinaison A6-2-4. A6-2-4 en couplet placé. Couplet gagnant, peut-être. A6-2-4. La combinaison 5-4-3. 8-3-7-9. On va l'apercevoir. 8-3-7-9. On a soit A6-2-4, soit 8-3-7-9 qui finissent la journée. On avait beaucoup de 5-4-3 avant le quintet. Et sinon, il y a 10-5-13-15, 10-5-10-2-13-15. 10-5-13-15, 10-2-13-15 qui vont venir voir les arrivées. Attention au numéro 6 et 9. Le numéro 6 et 9. Toujours les simples placés, les mieux payés. Il y a des journées, même ils viennent en gagnant. Attention les courses de 10 partants avec le 10-5-2. Là, on est dans une période de l'année. Les courses à 12 partants, par exemple, à 12 partants. Attention, 10-11-12. Aux trois derniers chiffres. Une course à 9 partants, fais attention, 7-8-9. À 6 partants, fais attention, 4-5-6. À 15 partants, tu vois ce que je veux dire? 13-14-15, tu vois ce que je veux dire? On est dans une période de l'année, là, jusqu'au 20 novembre. C'est à jouer en simple passé. Mais aujourd'hui, on est plus sur du 3-4-5. Par contre, fais attention aussi aux trois derniers numéros, un des trois derniers numéros ou deux des trois derniers numéros. En quatrième place, peut-être, en deuxième place, peut-être, troisième place dans les numéros, là. Le 6 et le 9, c'est toujours les invités, et toujours les mieux payés, les numéros 6 et 9. Je ne sais pas si tu comprends ce que je raconte. Mais... Bon, je vais arrêter là, les amis. Je vous ai tout dit, hein, je vais arrêter là. J'essaie de trouver un nouveau souffle de l'étude que j'ai fait sur les courses, les arrivées, mais je ne l'ai toujours pas là. Mais, je rumine, je ne vous lâche pas. Hein. Kazakh, gros bleu, manche jaune. Ok les gars. Bon, je vais quitter les amis, hein. Je vais quitter. Mais prenez en compte, hein, prenez votre ardoise, l'ardoise effaçable, là, avec les feutres effaçables. Voilà. Une thématique de la journée, comme je t'ai expliqué sur la vidéo il y a 2-3 jours. Hein. Une thématique de la journée. Aujourd'hui, on est plus sur du 3-4-5 quand ça peut passer. Demain, ça sera peut-être le numéro de course, numéro de réunion, qu'on va retrouver beaucoup dans les arrivées. Aujourd'hui, on retrouve 3-4-5 quand ça peut passer, voire gagnant, beaucoup dans les arrivées. Demain, c'est peut-être A6-2-7, beaucoup dans les arrivées. Demain, c'est peut-être le favori qui va venir gagner beaucoup de ses courses dans l'application PMU. Il y a une autre thématique, c'est quoi? Une autre thématique d'arrivée, c'est quoi? Il y a une thématique d'arrivée où le favori, on a les anciennes performances du favori, d'indiquer les anciennes performances du favori. Il y a des journées, on va prendre les anciennes performances du favori. Il y a des journées, on va prendre une course à 15h32, on va prendre à 5-3-2. Beaucoup dans les arrivées. On va se retrouver avec les chiffres de l'heure de départ des courses dans les arrivées. Il y a une thématique de la journée. Voilà. Après, moi, j'ai des valeurs à retrouver par des calculs, j'ai des thématiques de calcul, j'ai des valeurs à retrouver parce que ça me rassure, c'est pour me rassurer. Mais il y a des thématiques de la journée. Après, moi, je veux faire des calculs, c'est parce que ça me rassure. Mais je n'ai pas les moyens de balancer bêtement 10 euros, 20 euros sur un numéro comme ça, sans avoir trop réfléchi. Mais je veux me rassurer déjà, je veux me rassurer avant de miser mon ticket. Je veux être rassuré, mais pas trop non plus. Il ne faut pas trop être rassuré non plus. Bah, tu vois, je connais quelques thématiques de numéros pour la journée. Je connais quelques thématiques de numéros. Il y en a plein. Après, j'ai des thématiques déjà pour me rassurer. Je regarde vite fait 2-3 courses de la journée. Je me dis, tiens, aujourd'hui, même des fois, avant que ça commence, les courses de PMU, je sais
sur quel feeling on va être dans la journée. Après, tu as des valeurs à obtenir par rapport aux favoris, par rapport à l'heure, par rapport à égaler 13, par rapport à égaler le nombre de partants, par rapport à égaler la moitié de la distance divisée par deux. Voilà. Mais tu as une thématique d'arrivée de numéro qui va être préféré pour la journée. Après, prends ton ardoise et t'essaies d'obtenir des valeurs. Va pas jouer des numéros à 80 contre 1, 70 contre 1. Ils arrivent que très rarement, ceux-là. Là, on a eu le 2, mais le 2, il est venu avec que des favoris. À ce moment-là, si tu joues que des favoris, tu peux jouer une cotation comme ça, à 70, 80 contre 1. Les cotations à 150 euros, 5 cotations comme ça à 150 euros sur une arrivée, t'en fais quoi? T'en fais 4-5 par an, c'est tout. Hein. Tu démontes pas la Tour Eiffel avec ça. Hein. Ouais, il y avait R4T1, la distance c'était 2150 mètres. R4T1, il fallait qu'on retrouve 10 et 11. Tu vois, le 11 il vient premier. Après, on a encore 7 et 4, 11. Le 12 de moins 1 du 12, ça fait 1. 7 et 4, 11 et 1, 12. On avait 16h13, ça partait. 16h13, on a 12 et 4. 12 et 4 qui fait 16. Le 13, comment on fait le 13? On fait. Voilà, 11, 12, 4 et 5. 1 divisé par 1 du 11. Ouais, c'était un calcul à la con, là, celui-là. Mais... Ouais, y a des calculs à la con, quoi. Y a des courses, tu vas te retrouver un calcul à la con. Il y a des courses, tu vas te retrouver avec un calcul satisfaisant qui va te plaire. Et aussi, il faut degré aussi son. On commence. Quand tu découvres, comment on peut dire, aussi donner de la valeur, comment je peux dire, aussi pouvoir se contenter, quoi, de, c'est comment qu'on dit, aussi, enfin, quand tu as une bonne pensée, un truc qui te plaît à penser, t'es joyeux, tu sais que tu es dans la vérité, quoi. Quand tu as un truc qui est compliqué à penser, tu vas te dire, ouais, ça me met mal à la tête, ça, les calculs. Si les calculs ils te font mal à la tête, ne va même pas jouer la course, hein, ça ne sert à rien. Ou alors rétracte-toi, puis pars sur un autre calcul plus simple. Généralement, quand ça donne mal à la tête, bah, t'as le favori qui va arriver ou ça va être un calcul tout simple. Une fois sur deux. Hein. Bah, tu m'as compris? Allez, bisous l'équipe, j'arrête là, bisous.